Si cela vous intéresse, vous pouvez vous procurer la serrure intelligente via Amazon. Je vous mets bien entendu le lien en barre d'information. Vous le recevez via Colissimo. C'est relativement assez rapide. Il faut compter à peu près 48 heures. Vous la recevez donc dans une petite boîte en carton comme ceci. Dans un premier temps, dans cette boîte, vous trouvez le manuel d'utilisation. Il est vraiment très important à lire pour comprendre comment pouvoir paramétrer cette serrure. Vous avez bien entendu un côté français. Je pense même que c'est indispensable maintenant. Ensuite, vous avez les trois cartes qui sont du coup à connecter pour la serrure. Si je ne me trompe pas, vous pouvez en mettre jusqu'à 10 supplémentaires. Vous avez ensuite, bien entendu, la petite serrure. Quand je vous dis que ça peut être pour votre habitation, ça peut bien entendu être pour un garage, pour un Airbnb, pour une résidence secondaire. Voilà, ça s'adapte à peu près sur toutes les portes de la maison. Et ensuite, dans la petite boîte, vous avez le nécessaire pour pouvoir installer votre serrure. Il y a même la petite clé noire qui est pour enlever la vis qui se trouve sur votre serrure actuelle. Pour la mise en route, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut trois piles AAA, si je ne me trompe pas. Vous avez à déverrouiller, enfin dévisser, pardon, une petite vis qui se trouve sur le côté du cache, là où vous avez les boutons. Donc c'est très très rapide à installer. Je ne sais pas si vous allez correctement voir, mais juste après, je vous ai montré où se trouve le port USB. Mais je vous avoue que la qualité de vidéo n'est pas exceptionnelle. Une fois les piles installées, vous n'avez plus qu'à remettre la petite vis de sécurité et programmer et changer votre mot de passe. Tout est expliqué dans le manuel. C'est relativement assez simple à faire, mais il faut lire absolument le manuel parce que sinon, on n'y arrivera pas. La date et l'heure seront automatiquement mis à jour lorsque vous aurez téléchargé l'application et connecté le code ID de la serrure avec votre smartphone.